quelqu'un? Bonsoir. Bonsoir. En fait, il y a un monsieur qui vient d'ouvrir. Oui, il a les cheveux ébouriffés. Et il me regarde, en fait, genre, comme s'il était perdu. Ok, je lui demande. Vous êtes monsieur Takam? Non, je suis son manager. Il dit qu'il est son manager. Non, je connais cette voix. Ah, voilà. Oh là là, oh, sérieux, qu'est-ce que tu fais ici? Oh mais, tiens, je suis au téléphone en fait avec l'idole, donc c'est elle qui m'a indiqué le chemin pour arriver ici. Et non, donc... mais j'aurais jamais pu imaginer. Ah mais oui, c'est normal. Après toutes ces années. Vraiment? Oh, super. Oh, tu vois les inconnus quand tu souris, c'est qui comme ça? C'est Malachi, mon ami d'enfant. Je t'ai parlé de lui, tu t'en souviens? Non. Sérieux? Le seul Malachi que je connais, c'est Malachi Malaouda. Et c'est pas toi qui m'as parlé de lui. Non, mais c'est mon ami d'enfance, je te regarde. Ton son ex. Bon, ça va. Mon ami. Oui, mais attends. On a quand même grandi ensemble. Oui, grandi ensemble, mais en même temps, on a eu nos premiers baisers. Oui, ça c'est vrai, mais... Bon, on va rester dans l'ex, parce qu'après, il y a quand même un peu plus. Donc, C'est ton ex, c'est ça? Bah oui, disons ça comme ça. Oui, on peut dire ça comme ça. Hein? Bon, mais de toute façon, c'est... Je viens pas pour faire des tensions, je viens tout simplement parce que... Tu dis que bah, qui t'a montré la route? C'est l'idole, on est même encore en ligne en fait, donc... Passe-la moi un peu. Voilà, je te la passe. Allô, l'idole? Oui, Bob Marley. Oui, s'il te plaît, tu connais dans la confession de foi, la partie où on dit il descendit aux enfers et après il monta au ciel là, non? Suis ta part, non? Quand tu vas descendre aux enfers, tu vas caler là-bas. Oh, d'accord, qu'est-ce que tu fais? Tu me dis, oh, qu'est-ce que je fais? Elle envoie qui comme ça? Donc, elle t'amène tes essais chez moi, c'est ça? C'est pas... un problème. Et tu laisses, il t'arrête. Ok, prends ton téléphone. Non. Comme ça, avec lui que tu as vu que tu peux sourire. Depuis qu'on est ici dans la maison, c'est là, tu souris, tu sautes, tu bondis sur les gens. Moi, tu as bondi sur moi. D'accord, je peux quand même être fier de voir un ami d'enfance. Évitons les malentendus, d'accord? Je ne suis pas venu chez vous créer des tensions, d'accord? Je ne suis pas venu pour ça. L'ex, c'est que ça n'a pas été fini. C'est parce que tu fais encore là. Oui, mais après, j'ai pas suivi. Je suis venu parce qu'il fallait absolument que je voie où elle est. Parce que l'idole m'a fait comprendre qu'elle n'était pas ici. Bah, je ne pouvais pas le savoir et ne pas me pointer. C'est ça. Donc, tenez-vous tranquille. Je ne resterai pas longtemps. Je suis venu juste pour m'assurer qu'elle soit ici. Maintenant. Dis-moi, demain, qu'est-ce que tu fais? Je veux la revoir demain. Bah, je souhaitais déjeuner avec elle. On a le temps. Oui, demain à quelle heure? Non, je suis ici, je fais quoi? Tu sais que la maison, c'est là, on s'ennuie, non? Donc, on a le... C'est demain vers quelle heure? Bah, disons même 13h. 13h, c'est bon, on sera là. Parce que là où tu me vois, là, je ne suis pas occupé, c'est elle mon occupation. C'est moi qu'on invite, là. C'est la même chose, non? C'est nous qu'on invite, parce qu'on vit dans la maison, c'est là, nous deux, non? Tu vas partir, mais laisser à qui? Tu voulais qu'on parte où, concrètement? Bon, disons qu'on ira au restaurant Oaira. C'est près du Carrefour Warda. Donc vous savez, il y a un lac vert là-bas avec des artistes qui font plein d'œuvres d'art sur place. Oui, oui, n'explique pas, tu expliques comme ça à la carte de Yaoundé. Donc regarde tonton, c'est mieux que tu partes, il est à 23h et tout ça là. Il y a les agresseurs dans le quartier ici là, si tu ne pars pas tout. Je vois là, c'est comme si tu as la clé de la voiture. On casse les vitres des voitures dans le quartier ici là. Tu te chutes. Donc essaye de partir, on se dit 12h, non? Bon d'accord. On se dit demain. D'accord. Porte ta vie. Passe une excellente soirée, d'accord? Ça me fait plaisir de te revoir. Moi aussi. Voilà, on se dit à demain. Oui, bien sûr. Oui, on se dit demain. Demain 12h, non? Parce que, comme je t'ai dit là, si tu t'amuses, t'es pas prise. Les gars vont même ouvrir le capot. Je te dis. Joyce, passe une bonne nuit. Elle va passer une bonne nuit. Elle va passer une bonne nuit. Bye. D'accord. Bon. Allô maman. Je te suis. Je te suis. Oh.
Bonsoir. Alors, nous sommes là comme prévu et je voudrais en apéritif que vous offriez à mademoiselle et moi le punch spécial de la maison. Donc, avec 75% d'ananas et 25% de pastèque. Mais surtout, un peu de citron, parce que mademoiselle aime quand c'est relevé. Tu n'as rien oublié, toi. Mais non, surtout pas quand il s'agit de toi. Et Joyce, pourquoi moi, je ne connais pas tout ça? Parce qu'on n'est jamais venu dans un endroit pareil. Ah non, parce que moi, je n'étais jamais venu dans un genre d'endroit. Si je n'ai pas aussi le droit de connaître que tu es 35% et 42%. T'as quand même, en même temps, on n'a jamais eu l'occasion d'en parler. Ok, ça va, il n'y a pas de soucis. Parlons de la mère de lui, c'est 90%. Bon, pour monsieur, vous allez... Non, pour moi, là, un truc simple, hein, facile à décapsuler et moins cher, juste au cas où. Non, mon frère, c'est pas nécessaire. C'est moi qui régale. Non, 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 il n'y a pas de souci. Moi, est-ce que je m'inquiète? J'ai l'air inquiet. Non, c'est toi qui régales, non? Si tu te régales, elle se régale. Moi, je me régale à mon niveau, vraiment, donc, sans te soucier. D'accord. Oui, exactement comme j'ai prévu, sauf que pour monsieur... Pour moi, c'est la même chose. Donc, un plat que j'ai, quand il veut sortir ici, la personne va me déranger. Beaucoup plus d'insistance. Mais mon frère, faut pas t'inquiéter. C'est moi qui invite, alors c'est moi qui... Je n'ai pas refusé. Dans la vie, prévenir vaut mieux que guérir. C'est Joyce que tu as invité, pas moi. Donc, bêta, j'ai vu comme si j'étais seul au monde. D'accord, d'accord. Merci, mademoiselle. Merci, mademoiselle. Alors, Joyce, qu'est-ce que tu deviens? Je suis inscrite à l'université de Ngwaekele. Ah, ok. Et c'est à l'université justement de Ngwaekele. Un jour, elle était en train de faire les photocopies. Elle a rencontré un photocopieur là. Bam, ça a collé. Hey Joyce, je suis un peu perplexe parce que sachant le bel avenir qu'il y avait devant toi, ça me surprend un peu. Alors, pourquoi l'université de Ngwaekele? Oui, oui, Joyce. Pourquoi Ngwaekele? Parce que, en fait, je veux me... Parce que son destin y était aussi. Parce que, justement, il t'a dit qu'elle était... Elle a rencontré le photocopieur là-bas, qui est devenu l'homme de sa vie. C'est ça, non, Joyce? C'est vrai que c'est un peu compliqué. Le quotidien de l'étudiant camerounais n'est pas facile. Mais je m'en sors. Je m'en sors. C'est beau, c'est... Ta belle âme est toujours aussi resplendissante qu'autrefois parce que tu avais beau être celle qui a tout, mais tu allais toujours vers les pauvres, ce qui en soi n'a fait que à suffisance montrer ta beauté intérieure et voilà. Est-ce que tu sais que pendant le confinement, elle a décidé de quitter la maison, la grande maison là, pour venir, contre la volonté de son père, pour venir s'installer dans une petite chambre avec l'homme avec qui elle est prédestinée. N'est-ce pas beau? C'est beau, non? Oh, mais dis donc. Laissons tomber. Toi, qu'est-ce que tu deviens? Moi, tu sais, je suis allé à Paris après mon baccalauréat et voilà. J'ai fait 5 années à l'Université Paris-Descartes et voilà. J'ai fini avec un MBA et je suis au Cameroun depuis quelques temps, ça fait quoi, 2 mois ou 2 mois et demi. Et bon, le confinement m'a bloqué, je n'ai pas pu repartir, mais de toute façon, je venais déjà parce que, tu sais, il faut que je reprenne l'entreprise de papa et... Joyce, tu vois la culotte rouge que tu as achetée l'autre jour là, non? Tu as dit que tu devais laver pour t'excuser. Et bon, si on dit tout ici là, la nuit va tomber et ça ne va pas sécher. Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut qu'on parte tout. Écoute Joyce, je suis là, j'ai vraiment l'intention de me stabiliser. J'ai l'intention de faire ma vie au Cameroun et je pense qu'il est temps pour nous de reprendre où on s'était arrêté. Voilà, maintenant on n'a pas besoin de décapsuler, on est allé cueillir, on a coupé seulement le haut comme ça. Ça m'arrange, ça veut dire que c'est moins cher. Oui, c'est les VIP. Donne-leur les verres, donne pas papa. Et c'est ce qu'on appelle ça le punch, c'est relevé avec le citron. Le total c'est 96%. Non mon cher, en fait c'est un punch. Oui, mais c'est le punch, sauf que le problème maintenant c'est que quand tu mets les pourcentages dedans, c'est ça qui gonfle, ça devient le punch. C'est drôle. Vrai. Merci. Bien. La tienne. La santé du peuple.
Jones, tu es toujours aussi douce, toujours aussi étincelante. Oh. C'est carrément à croire que tu te bonifies comme du bon vin, toi. Plus le temps passe et plus tu es resplendissante, plus tu es belle. Mais dis-moi, est-ce que tu as toujours la cicatrice que je connais? Ouais, sauf qu'elle est de plus en plus invisible. C'était terrible. Tu vois, à chaque fois que je me retrouve devant une piscine maintenant, je ne peux pas ne pas y penser. C'est genre, je me dis, putain, mais comment de jeunes enfants qu'on était à cette époque pouvaient s'amuser à jouer à de pareils jeux au bord d'une piscine? Et les parents, est-ce qu'ils auraient pu imaginer? Ah non, on serait mort. On serait mort, on serait vraiment mort. La piscine. Non mais quand même. Quand même, les cicatrices. Alors, donc, je t'expliquais que... Moi aussi, j'ai une blague. En fait, c'est un fou, non? Donc, le fou, là, il avance vers le carrefour. Quand il arrive au carrefour, là, il demande le foufou. Le fou va où avec le foufou? Ça fait rire, ça fait... Ça fait tout rire, tout. Non mais elle est bonne, hein. Elle est bonne. N'est-ce pas Joyce? Elle est bonne. Et donc je te disais que voilà, maintenant que je suis de retour au Cameroun, il faut que je reprenne l'entreprise de papa et que voilà. C'est même pas la peine. Le gaz. Le gaz. Pardon de vous interrompre. Parce que en fait, on est sorti tout à l'heure. Là, comme on était pressé, on savait qu'on t'attendait pas. On a oublié de fermer le gaz. Donc je vais essayer de vérifier parce que ça peut brûler la maison aussi comme ça là. Donc je vous laisse. Si c'est que je vérifie, je peux revenir, mais. Non mais tu n'as même pas mangé. Non, non, ça va. Il n'y a pas de souci. L'urgence, c'est. Vous savez le gaz qu'on prépare la nourriture. Non? Oh, si je mange ici là et arrive là-bas, le gaz est fini. Je vais faire comment? Merci beaucoup pour la noix de coco. Comme la nourriture là tarde vraiment, bien pas. Oui, merci beaucoup pour la noix. Ouais, comme la nourriture tarde là, vraiment, je vais partir. Joyce, on se voit à la maison. Ah mais mon frère, voilà la nourriture qui vient. La nourriture est derrière là. Attends, je passe de ce côté. Je viens avec ma nourriture. Merci. Tu sais, moi normalement je devais partir, mais tu sais que... C'est très bon, hein. C'est, la nourriture, c'est la seule chose qui part vraiment dans ton ventre. Tous les biens de la terre, là, c'est éphémère. Tu comprends? Parfois, tu as certaines choses que tu penses que c'est pour toi. Après, tu arrives au restaurant, tu découvres que c'est pas ta part. Donc, bêta, tu pars avec ce que tu vas mourir avec. La mère, pardon, on peut emballer. Je pars avec. Oh Joyce, je suis tellement heureux que l'idole m'ait appelé hier. Parce que je sens bien que je serais passé à côté d'une chance inouïe de te revoir et de passer ce chaleureux moment avec toi. Il faut que je le rattrape. Qui, le gars? Oui, il n'a pas d'argent de taxi, il va marcher jusqu'à la maison seul. Non mais c'est pas grave, je pourrais te ramener, il n'y a pas de problème. Je t'ai dit que j'ai la voiture de Tata, donc ça va. Je ne parle pas de moi. Je parle de lui. Il n'a pas d'argent pour arriver à la maison. Et je ne peux pas le laisser partir seul. Serveuse, s'il vous plaît,
Pardon, est-ce que vous pourrez emballer? Joyce, écoute. C'est de notre avenir que je te parle. Avec toutes les femmes que j'ai pu connaître dans ma vie, tu es la meilleure option qui soit. Tu es la seule qui vaut la peine aujourd'hui pour que je me pose. Tu es celle-là même qu'il me faut. Regarde ta simplicité. Prends en compte ta beauté intérieure. Voilà tout ce que je cherche chez une femme. Mais pourquoi est-ce que je reviens vraiment parce que tu n'as pas le choix. Mais si, Joyce, j'ai le choix. Mais c'est toi que je préfère. Tu sais te contenter de peu. Tu es la seule avec qui je pourrais être dans le même lit et ne pas me dire qu'elle est là uniquement par rapport à tout ce que je peux lui offrir. Et qu'est-ce que tu penses? Tu penses que j'ai laissé ma vie en stand-by pour t'attendre? Tu t'es bien rendu compte que j'ai une vie, que j'ai un copain avec qui je vis. Joyce, tout ce que tu as pu vivre quand je n'étais pas là, mettons cela sur le cours de l'expérience. Ah. Je peux t'amener partout dans le monde, te faire voyager dans tout ce monde. Mathématiquement, tu es la meilleure option pour moi, Joyce. C'est-à-dire que c'est un calcul. Faut bien qu'on ait ce dont on a besoin pour vivre. Mais lui, il peut même pas se payer le taxi. Tu sais même pas ce que c'est de devoir travailler pour s'offrir un stylo. Tu ne sais même pas si tu pourras gérer les entreprises de ton père. Et tu es là, tu me parles de belles vies et tout ça là. Lâche ma main, s'il te plaît. Je devrais normalement repartir dans 2 ou 3 semaines. Mais si tu acceptes de m'épouser, on pourrait se marier dans 6 ou 8 semaines. Le temps juste de tout organiser et d'informer tout le monde. Tu sais, je t'aime bien, mais je te considère comme un frère. Mais Joyce, ce n'est pas de ça que j'ai besoin. S'il vous plaît, je suis pressée. Joyce, écoute-moi. Joyce. S'il vous plaît, je vous attends toujours. Reconsidère tout l'intérêt que je te porte. Reconsidère tout ce que je pourrais t'offrir dans cette vie. Ok. C'est quoi tout ça? J'étais derrière toi, non? Donc je m'inquiète depuis comme ça, là, et pourtant tu es derrière moi. Non, je suis sorti là, je suis resté un peu en cachette là. Je voulais voir si tu devais sortir aussi. Donc tu m'espionnais? Non, ce n'est pas que je t'espionnais, c'est que je voulais savoir si ma part était finie ou pas. Et tu as vu ce que tu voulais? Non! Enfin, je suis content que tu es sorti, non? J'étais inquiet par rapport à mon avenir. Aussi emballé, ça veut dire que quand on va mélanger le matin pour chauffer, est-ce que chacun va savoir quelle était sa part? Est-ce bon, la même chose? Ce qu'on va faire, c'est qu'on mange d'abord ta part, après je mange ma part. Un salaud, hein? Il pense que ton père quoi? Ton père quoi? Yeah.